Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue à mes abonnés. Je vous présente la méthode Splice sur les arrêts. Donc j'arrête pas de vous conseiller la documentation, il y a tout. Après, je vous montre un peu des exemples pour que ça vous parle un peu mieux, parce que peut-être que des fois c'est pas évident. Donc la méthode Splice modifie le contenu d'un tableau en retirant des éléments et ou en ajoutant de nouveaux éléments à même le tableau. On peut ainsi vider ou remplacer une partie du tableau. On va faire des exemples concrets. Je vous ai créé un arrêt. Les Avengers, Iron Man, Captain America, Spider-Man, Hulk, Black Widow, Thor. Excusez-moi pour les puristes, j'y connais rien. Donc si des fois je dis des bêtises au niveau des Avengers, c'est pas le bon personnage et tout, faut pas m'en vouloir. On va se créer un second arrêt. Donc non, on va se créer une constante. Et on va retirer Iron Man. Donc on fait Avengers, Splice, on va en retirer même deux. L'index 0 c'est Iron Man, on va retirer deux éléments. Voilà. Et après, on va loguer tout ça. Console log, New Avengers pour voir ce qui est ce qu'on a retiré. Et on va console log Avengers pour voir combien c'est qui reste. En sachant que dans les films j'y connais un tout petit peu, c'est que Iron Man il est mort, Captain America, hasta la vista, il est à la retraite. C'est parti. Donc on va clear tout ça pour les gens qui ont des smartphones. Node MA. C'est parti. Voyons, je retire Iron Man et Captain America. Bah oui, on a splice l'index 0, on a enlevé deux éléments. Et après, nos Avengers, il reste plus que Spider-Man, Hulk, Black Widow, Thor. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter un nouvel élément. Un nouvel élément. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Falcon. Falcon, je sais même pas s'il existe. C'est le faucon là. On va rajouter Falcon. Ctrl S. Node. MA. Oh. Désolé. Node. MA. J'ai rajouté Falcon. Je peux en rajouter d'autres. On va rajouter plein d'autres. Il y a Ant-Man qui est arrivé. Il y a Captain Marvel. On va même rajouter un nouvel arrêt. Les gardiens de la galaxie. On a ajouté les gardiens de la galaxie. Contrôle S. Est-ce que ça fonctionne? Bon, on va voir ça tout de suite. Clear. Node. MA. Voilà. Ça fonctionne. On a Falcon. On a Ant-Man, on a Captain Marvel, on a les gardiens de la galaxie. Il nous reste Spider-Man, Hulk, Black Widow et Thor. Vous avez vu un peu l'ordre par contre? L'ordre, c'est qu'on a viré Iron Man et Captain America. On les remplace par tous ceux-là. Et après, les autres, ils arrivent. Les autres, c'est Spider-Man et Hulk. Donc ça veut dire qu'on peut rajouter même un arrêt dans le Splice. J'espère que vous avez compris. Cet exemple succinct. Abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires si vous avez besoin d'explications. À mon avis, vous n'aurez rien besoin du tout. C'est assez simple. À la prochaine fois, Inch'Allah.